Et c'est ainsi que c'est pour ça que nous voulons, nous ne pouvons que suivre notre Père, marcher avec lui et nous soumettre à sa volonté. Alors lorsque nous venons dans la présence de notre Père pour marcher avec lui, pour suivre ses pas. Nous nous dépouillons de toute notre volonté. Lorsqu'on est rempli de soi-même, on n'arrive pas à voir le Père. Ou la voix qu'il envoie vers nous est embrouillée par nos états intérieurs. Alors c'est la prière que nous allons faire monter dans la présence de Dieu. Nous allons entrer dans l'atmosphère où Papa va commencer à parler à chacun d'entre nous. Alors laisse-moi t'expliquer des choses par rapport à l'enseignement qu'on a donné. Pour ceux qui ont l'esprit prophétique nébihi, pour vous qui avez l'esprit prophétique nébihi, peut-être que dans l'adoration, pendant le temps, vous n'entendrez rien, vous ne verrez rien. Mais au sortir de la présence, vos gestes et vos paroles seront dirigés prophétiquement. Pour certains et d'autres qui sont des ralam ou des oracles, cette nuit ou maintenant, Papa va vous parler. Il va te parler. Il va entendre sa voix. Pour le moment, nous sacrifions nos désirs, notre volonté, afin d'écouter et de faire sa volonté. Alléluia. Alors en plus simple, je veux dire par exemple, aujourd'hui je monte dans la présence de Dieu. Je te disais tantôt qu'un oracle est quelqu'un qui monte avec un fardeau de prière, où il veut savoir certaines choses. Mais lorsqu'on arrive dans cette dimension, on renonce à soi-même, à ses propres plans, à ses propres projets, afin de recevoir le plan parfait de Dieu. De vouloir simplement marcher dans les voies de Dieu. Alors dis avec moi, disons ensemble au Seigneur notre Dieu que nous voulons marcher dans les voies de l'éternité, dans les voies qu'il a tracées. Tu me montreras ton chemin.
suivre ma volonté. Je ne veux pas prendre mon propre chemin. Mes voies me conduisent à la perdition. C'est pas ce chemin que je veux prendre. Seigneur mon Dieu, l'ennemi veut me convaincre. Il veut, Seigneur, séduire mon cœur. Mais Jésus, c'est toi que je veux suivre. C'est ta volonté que je veux faire. Je veux marcher. Je veux courir. Je veux marcher sur la voie. Oh mon Dieu, révèle-toi, nous voulons plus de toi, plus de ta volonté, plus de ta ressemblance, plus être à ton image, plus être à ton image, aspirons à être à la volonté de Dieu. J'aime toujours ce passage de l'Écriture qui me parle constamment. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, afin que nous dominions. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Que nous ayons le contrôle
Saint-Esprit, tu veux manifester, tu as peur, tu as toujours voulu venir manifester ton règne au travers de nous sur la terre. Mais tu veux que nous soyons à ton image. Papa, pendant que nous te contemplons, que nous sommes dans ta présence, transforme-nous, guéris-nous. Tu dis en 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 que nous tous qui les regardent, contemplons ta face, nous sommes changés en la même image de gloire en gloire. Nous voulons plus de ta présence, nous voulons plus de ta gloire. Nous avons soif de toi, Jésus. Ce sont des assoiffés de toi qui sont là assemblés. Seigneur Dieu, chacun avec ses défis, chacun avec son niveau, chacun, mais c'est ta grâce, c'est ta grâce, c'est ta grâce, papa. Ne nous laisse pas, viens nous parler, viens nous orienter, viens diriger cette nation, plusieurs nations. Je prie pour le Mali, je prie pour la Côte d'Ivoire, je prie pour mon frère, ma soeur, je prie pour ceux qui ont besoin d'entendre ta voix, d'être conduits par toi. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Je veux te ressembler, papa. Plus de toi. Jésus, je veux te ressembler. Tu vois, je veux être comme tu veux. Et je veux connaître ta voix. Qu'est-ce que tu dis? Quelle est l'orientation que tu me donnes? Je veux plus de toi, mon Père. Plus de toi, Jésus. Esprit du Dieu vivant, conduis-moi dans les voies du Père. Je veux te ressembler. Esprit de Dieu. Il y a tellement des voix devant le trône de Dieu. Il y a les voix de tes mères. Je ne sais pas discerner, papa. Je ne sais pas discerner. Comment pourrais-je m'en sortir, mon Père? Si tu ne te révèles pas à moi, révèle-toi à moi. Donne-moi le discernement de ta voix, Seigneur. Je veux te ressembler, être encore comme toi, toujours plus près de toi. Sort du trône de papa. Il y a la volonté bonne pour discerner la volonté agréable et la volonté parfaite. Je veux ta volonté, encore plus de toi, plus que bon. Je veux au moins agréable et je veux même le parfait. Reconnaître ta voix. Discerner le meilleur. Dans la volonté de Dieu, il y a ces différents niveaux. Un des textes que nous citions la dernière fois, Ézéchiel 22, verset 30. Dieu dit,
dit, je cherche un homme qui élève un mur qui se tient dans la brèche, afin que je ne détruise pas. Il ne dit pas afin que les démons ne détruisent pas. Il dit afin que je ne détruise pas. Afin que je ne détruise pas. Ok? Il dit, Dieu dit, il cherche quelqu'un. Donc, il y a la volonté de Dieu, qui est la justice de Dieu, qui doit sanctionner les iniquités d'un peuple. Mais c'est sa volonté, je dirais la volonté bonne. C'est la volonté de la loi, c'est la volonté de la justice. Mais papa a une volonté qui lui est agréable. Une volonté qui lui est parfaite. C'est qu'il ne veut pas que le pécheur meure. Papa me disait qu'il a tellement pris plaisir à l'intercession de Abraham, espérant que la prière d'Abraham allait sauver Sodome et Gomorrhe. Tandis que la volonté bonne, la volonté du bien ou du mal, la volonté de la justice devait venir s'appliquer à ce peuple. Mais cet homme a pu essayer de trouver la grâce de Dieu. Cela a pu sauver Lot. Là, nous venons devant toi. En Jésus, nous avons le savoir. Nous ne voulons même pas la volonté bonne, mais la volonté agréable, la volonté parfaite. Que du trône il sortait des éclairs. Du trône de Dieu. Jean a vu, Jean a entendu. Il y avait différentes voix. Il dit, du trône sortent des éclairs. Du trône sortent des voix. Du trône sort des voix, du trône sort des tonnerres, du trône de Dieu, du trône de ton trône, papa. Je vois la lumière, du trône sortent des éclairs, c'est la lumière, l'éclairage, du trône sortent des éclairs, que les éclairs luisent, que la lumière brille. Que ta lumière brille, que ta lumière brille sur la terre, que ta lumière brille, du trône sortent des lumières, du trône sortent des éclairs, du trône vient ta lumière, du trône sort des éclairs, du trône, 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 sort des éclairs, du trône, du trône, sort des éclairs, sort des tonnerres. Des sortes de voix, la voix de Dieu, elle résonne. Raï de Bosch, Maï de Glorian d'Abrada, c'est Katariba. La Katarian d'Abrada, c'est Remara, la Glorian d'Ababa. Chez Katarian d'Abrada, le son de la voix de notre Dieu arrive jusqu'à toi. Il arrive jusqu'à nous. Père, éclaire-nous. Éclaire-nous par tes voix. La parole de Dieu dit que la voix de notre Dieu est comme des grandes eaux. Et comme des grandes eaux. Parlant avec papa, tu me disais, il dit, ma voix est comme des grandes eaux, parce qu'à l'intérieur, il y a tout. Notre papa, une fois dans sa présence, ce que j'ai vu, notre papa, la voix de papa, dans l'île d'Apocalypse, Jean dit, c'est comme des grandes eaux, c'est-à-dire comme la mer. En fait, c'est parce que à l'intérieur, il y a de nombreuses autres voix. Il y a des voix. Il y a la voix qui fait enfanter la biche. Il y a la voix qui fait pousser les arbres. Il y a la voix. Il y a la voix. Et
Et en venant en ce moment parlant avec papa, il me disait, il dit en fait, ma voix c'est une chorale. En fait, même la voix des anges, un ange, les anges qui sont dans ma présence, quand ils disent Alléluia, une seule voix, c'est un cœur de myriades, c'est un cœur de milliers, c'est un cœur de milliers. Amen. C'est un cœur de milliers. Et quand les anges par myriades chantent les louanges de papa, les louanges de notre Dieu. Raise my eye. Reda braida soro bara la canta riba bres. Raides glorianda brada soro bara la clarianda bro. Reda brada soro bara la canta raba bra. Sheba brada soro de brada glorianda bra. Raides glorianda bra. La voix de papa. Et une voix de mine. Raides soro bara la clarianda brada soro bara la clarianda brada soro bara la ca. Raides chenere de bros.
Rama, tu peux le dire à Dieu. Dis-le, dis la même chose à Dieu. Seigneur Dieu, si tu n'es pas avec nous, nous ne voulons pas faire un pas de plus, Jésus. Si tu n'es pas avec nous, Seigneur. Nous dire, sois avec nous, papa. Nous voulons prier comme Moïse qui a refusé d'entrer dans la promesse de Cana avec seulement la présence d'un ange, sans toi ta présence. Mon Dieu, c'est ma prière. Je ne veux pas marcher sans. Là où tu n'es pas, quel que soit l'or et l'argent du monde, même si les promesses semblent se réaliser, je ne veux rien sans toi. D'argent sans toi, sans toi.
c'est pour écouter ta voix. Jésus, 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 tu es tout pour moi, Seigneur mon Dieu. Tu es tout pour moi, Seigneur mon Dieu. Tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi, Seigneur. Tu es, Seigneur, tu es, mon roi, tu es, Jésus, tu es, mon roi, tu es, mon Dieu, tu es tout pour moi, tout pour moi, Seigneur, tu es. Mon Dieu, tu es tout pour moi, Jésus. Alléluia, nous t'acclamons, roi des rois. Reda brada soria, na brada so. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant nous savons que tu es avec nous. Il est avec nous aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et nous savons que Papa va nous parler. Il va nous orienter. Il va nous diriger. Il va nous diriger. Alléluia. Le mardi prochain, on va continuer notre école. Et même si on a continué l'école, prends ces moments d'adoration. Réécoute-les. Et plonge-toi, plonge-nous dans la révélation de Dieu. Pour ceux qui sont les nébis, comme je dis, quelque chose a été semé en vous. D'autres, pendant qu'on était en train d'adorer, ont eu les yeux ouverts, ont vu certaines choses. Plusieurs ont été restaurés, guéris, visités par Papa. Parce qu'on ne le voit pas, Papa. Et puis on retourne pareil, c'est pas possible. On n'arrive pas au troisième ciel et puis on retourne pareil. La voix, la direction de Dieu seront claires à ton esprit. Alléluia. Maintenant, nous voulons libérer la parole. Amen, pour nous séparer. Et maintenant, nous attendons à l'action de Dieu dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Et je te donne rendez-vous mardi prochain. Je bénis chacun. Je suis convaincu que le Seigneur t'a guéri. Nous nous attendons à Dieu pour notre guérison maintenant. Nous nous attendons à Dieu pour la libération. Nous nous attendons parce que les plans et les projets que notre Père a pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Sont des projets de victoire. Sont des projets de victoire. Alléluia. Et terminons avec ces paroles. Amen. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Sur mon pourvoyeur. C'est toi qui pourvois. Pourvoyeur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je
sentir toi. C'est toi qui es le commencement, c'est toi qui es la fin. C'est toi qui étais avec nous au début de ce moment, c'est toi qui met fin. C'est pas la fin de ta présence, mais le démarrage d'une chose nouvelle avec toi. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le Dieu de toute chose, de toute capacité. Alléluia. Alpha. Alpha, Omega, je m'attends à toi. Alpha, Omega, Alpha, Omega, nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi, mon père. Alpha, Omega, toi seul. Alpha.
Seigneur mon Dieu. Reprends la force qui te plaît. Sois le vent dans ce voile. Donne-moi le sens qu'il te faut. Je suis la gifle, toi le côté. Donne-moi la force qui te plaît. Plus de profondeur. Ta parole dans mon cœur. Christ, ma vie, c'est toi. L'alpha et l'oméga. Le commencement, la fin des choses. Alpha oméga. Alpha oméga. Dieu de l'impossible. Alléluia. Alpha oméga. Alpha oméga. Et nous voulons te bénir, nous voulons acclamer le nom de Jésus, célébrons le nom du Seigneur. Alléluia. Merci Père pour toutes les directives que tu nous as données. Merci pour ce que tu t'es révélé à nous. Merci pour tous ceux qui ont reçu une direction de ta part. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous as déchargé de nos fardeaux. Merci pour ce temps d'élévation prophétique. Merci parce que tu nous as conduit à notre posture spirituelle. Tu nous as conduit à notre posture spirituelle. Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur. Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je vous souhaite tous la bienvenue à ce Mohamed Sanogo Live. Le dernier de l'année 2017. Et durant cette année, dans beaucoup de domaines, nous avons vu la main de Dieu. Un Dieu extraordinaire, un Dieu qui a fait des miracles, un Dieu de prodiges, un Dieu puissant. Quel que soit ce que tu as vécu en 2017, ne vois pas cette année comme étant négative. Souviens-toi des bonnes œuvres de Dieu. Une mauvaise attitude que les gens ont qui les amène à avoir une mauvaise préparation de l'année qui suit, c'est de quelque part de renier les bienfaits de Dieu dans l'année qui précède. Je dis oh que 2017, que 2010 disparaisse avec ses malheurs. Non, non, tout n'a pas été difficile. Reconnais les œuvres de Dieu, la santé qu'il a gardée, les miracles qu'il a fait. T'es bien fait dans sa vie. Oui, tu te rendras compte que Dieu est un Dieu extraordinaire. Nous voulons lui donner toute la place maintenant. Être reconnaissant à Dieu. Être reconnaissant à toi. Nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève mes mains pour t'adorer, prosterné devant toi. J'admire ta face, je dis nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, tu es le Dieu extraordinaire et tes œuvres sont admirables. Lorsqu'on considère ce que tu fais, on ne peut être qu'admiratif. Tu es digne de louange pour la vie que tu transformes. Tu pardonnes le péché des hommes et tu fais de des êtres nouveaux. Heureux sont ceux qui te rencontrent et qui s'attachent à ta parole. Tu remplis leur vie de joie. Y a-t-il un Dieu comme toi? Oh, 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 oh. Ah, oh, oh.
Mon Dieu, je lève mes mains pour t'adorer, prosterné devant toi. J'admire ta face, je dis nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, encore tu es le Dieu extraordinaire. Et tes œuvres sont admirables. Lorsqu'on considère ce que tu fais, on ne peut être qu'admiratif. Tu es digne de louange pour la vie que tu transformes. Tu pardonnes le péché des hommes et tu fais de des êtres nouveaux. Heureux sont ceux qui te rencontrent et qui s'attachent à ta parole. Tu remplis leur vie de joie. Y a-t-il un Dieu comme toi? Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, mon Dieu. J'ai vu des esclaves de la boisson devenir merveilleusement sobres. J'ai vu des personnes violentes devenir comme des agneaux. J'ai vu des personnes pleines de haine voir leur âme remplie d'amour. La prostituée enceinte femme, tout cela par la puissance de ta croix. J'ai vu des foyers dévastés reconcilier durablement. J'ai vu des cas désespérés se résoudre miraculeusement. Tu apportes tellement de bonheur et de joie dans les vies que je ne peux que m'écrier que nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Mon Dieu, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève mes mains pour t'adorer, prosterné devant toi. J'admire ta face, je dis nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, mon roi, personne n'est comme toi, Seigneur Jésus. Personne n'est semblable à toi. J'ai vu des paralytiques marcher, des aveugles recouvrer la vue, des maux déclarés incurables guéri par ton Saint-Nom. Tu accordes tellement de bonheur et de joie dans les vies que je ne peux que m'écrier que nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève mes mains pour t'adorer, prosterné devant toi. J'admire ta part, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, mais comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu extraordinaire, tu es un Dieu si puissant, tu es un Dieu si grand. En 2017, j'ai vu tant de miracles, tant de prodiges, tant de vies sauvées, Seigneur Dieu, dans toutes ces campagnes. Plusieurs personnes ont fait la paix avec toi. Je veux te dire merci. Merci pour tous ceux qui, dans cette maison, ont t'ont connu. Je veux te dire merci. Merci pour tous ceux qui ont été guéris au travers du live. Je veux te dire merci, Seigneur, d'avoir initié un tel programme et de bénir tant de vies. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Je veux te dire merci. Même dans les choses douloureuses qui nous sont arrivées, Seigneur Dieu. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci, Jésus. J'ai vu tant de malades, tant de vies guéries, Seigneur Dieu. Je veux te dire des vies transformées par ton bras puissant, ô Dieu. Je veux te dire merci. Je me souviens de tous ces témoignages de transfert surnaturel. Je me souviens des personnes qui ont reçu leur délivrance de démons en ligne. Je bénis ton nom, Seigneur Dieu, pour ceux qui t'ont donné leur... Je veux te dire merci, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon
Dieu, je lève mes mains pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta foi. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Content de vous. Soyez tous les bienvenus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous voulons entrer dans ce moment en adorant et en contemplant le Seigneur. Jésus seul est digne de recevoir la gloire et l'honneur. Même si, lorsque nous arrivons à faire des exploits, nous devons être conscients que c'est lui qui nous a donné la force, la sagesse, l'intelligence, le cerveau pour pouvoir les réaliser. C'est ce que nous voulons dire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, je veux chanter tes louanges, ô Jésus, je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus, je veux louer ton saint nom. Nous nous approchons de toi, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses, que tout ce qui se passe et tout ce qui sera dit, ô Jésus, puisse élever ton nom, puisse magnifier ton nom, puisse glorifier ton nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus, je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus, je veux louer. Seigneur, tu es digne. Ensemble, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, Seigneur Jésus, c'est toi qui es digne d'être loué. Oh mon Dieu, toi seul es digne. Seigneur, toi seul es digne. Seigneur, toi seul mérite d'être adoré, mérite d'être célébré, mérite d'être élevé. Oh Jésus, tu es digne de recevoir la gloire.
nous disons que tu es digne. Toi seul mérite la gloire, toi seul mérite l'honneur. Digne, 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 digne. Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire. Tu fais tellement de grandes choses, tu fais tellement de grandes choses, tellement de grandes choses. Nul ne peut se comparer à toi. C'est toi qui es l'auteur de toutes nos forces, de toutes nos forces, de toute notre capacité. Tout ce que nous avons pu inventer, créer, faire, vient en fait de toi. Car tu es l'initiateur de toutes choses. Tu nous as conçus, tu nous as fait. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire au siècle des siècles, au siècle des siècles. Sois béni Jésus. Personne n'est comme Jésus. Nul n'est comme toi. Seigneur, je dis nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève mes mains pour t'adorer, prosterné devant toi. J'admire ta face, je dis nul n'est comme toi. Seigneur, je dis nul n'est comme toi. Mon Dieu, tu es le Dieu extraordinaire et tes œuvres sont admirables. Lorsqu'on considère ce que tu fais, on ne peut être qu'admiratif. Tu es digne de louange pour les vies que tu transformes. Tu pardonnes le péché des hommes et tu fais de des êtres nouveaux. Heureux sont ceux qui te rencontrent et qui s'attachent à ta parole. Tu remplis leur vie de joie. Y a-t-il un Dieu comme toi? Prosterné devant toi, j'admire ta face, je dis nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, tu es le Dieu extraordinaire et tes œuvres sont admirables. Lorsqu'on considère ce que tu fais, on ne peut être qu'admiratif. Tu es digne de louange pour les vies que tu transformes. Tu pardonnes le péché des hommes et tu fais de des êtres nouveaux. Heureux sont ceux qui te rencontrent et qui s'attachent à ta parole. Tu remplis leur vie de joie. Y a-t-il un Dieu comme toi? Paralytiques marcher, des aveugles couver la vue, des maux déclarés incurables, guéris par ton Saint-Nom. Tu apportes tellement de bonheur et de joie dans les vies que je ne peux que m'écrier que nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Mon Dieu, nul n'est comme toi. Seigneur, je lève mes mains pour t'adorer, prosterné devant toi. J'admire ta face, je dis nul n'est comme toi. Seigneur,
nul n'est comme toi. Mon Dieu, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, mon Dieu. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Pour t'adorer, prosterné devant toi, j'admire ta face. Seigneur, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Merci pour ces instants parce que tu en prends le contrôle. Raide baraide sundara babosh. Reda brai de skiri mara la rendere de brai, donda brai de sheri maiso, la brai le kiwes, frai de clorion da bres, rimba ba len mai shuan dai de clorion de bres, frai de clorion de brais, lo mama ma machine de res, brai de clorion de we manos blai de fire losha, irian da brai de smlo, con ba 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 sheri ma bes, hai de ready lo se ken de rida frai de she. O light the comb, bride, bride, slow come on. Show bride, glory, I said, Jim. O babla, in my way. O candy, wait, is my bride, glory, yonder, bride, sherry, bride, glow clone. Well, in the share, I brace, I for bombing Tom 20s. Oh, 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 oh. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence manifeste au milieu de nous. Tu es là, partout où nous sommes, Seigneur Dieu. Tu es présent parce que nous sommes tous ensemble assemblés en ton nom pour entendre ta parole, pour être édifié dans ta présence, pour t'adorer, pour te célébrer. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Ta présence nous suffit. Juste ta présence. Elle nous fait du bien. Elle nous suffit. Et parce que je sais que tu es là, ta puissance est déployée pour restaurer les vies, pour guérir les malades, pour transformer les cœurs, pour faire vivre une situation extraordinaire à quelqu'un connecté en ce moment. Béni sois-tu, Dieu des cieux, à toi la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire descende au milieu de nous, que tu nous conduises dans chacun de ces instants. Jésus, prends le contrôle, Seigneur. Seigneur, viens prendre le contrôle, oh Saint-Esprit.
Seigneur,
Seigneur intercède par des soupirs inexprimables. Et ce sont ces soupirs-là que nous sommes en train de dire par ces paroles. Assoiffés de ta volonté, nous sommes là assemblés en plusieurs endroits en ce monde, Seigneur Jésus, pour t'adorer, pour te prier, pour chercher ta face, pour voir ta gloire. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Quelqu'un acclame Jésus. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. De toutes choses. Alors, si ton cœur est chargé de mauvais fardeaux, le mauvais fardeau, c'est tu as tellement les soucis de la tête et tu ne penses qu'à ça, tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu seras coincé. C'est-à-dire que tu es lourd, pas du fardeau de Dieu. Jésus a dit, venez-moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Donc, c'est le fardeau de Christ qui va prendre pour le moment. Alléluia. Et puis, tu vas monter avec. Alors, qu'est-ce que tu fais pendant qu'on va élever le Seigneur? Qu'on va arriver. Nous allons oublier, nous allons positionner Jésus au-dessus de tous nos soucis. Il est le plus grand. 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 Notre Dieu est plus grand. On rentre dans la présence prophétique de Dieu en élevant le Seigneur. En élevant Jésus, Jésus, Jésus. Jésus a dit dans sa parole, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Nous devons élever le Seigneur afin qu'il nous attire vers le troisième ciel, dans notre cœur, dans notre esprit. Nous ne devons pas laisser les charges de la terre, les fardeaux, nos soucis nous bloquer. Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus de nos problèmes sociaux, de nos défis spirituels, de nos défis, quel que soit le type de défi auquel tu es confronté. Ne les laisse pas te bloquer au premier ciel. Ne les laisse pas te bloquer au deuxième ciel. Mais élève Jésus au-dessus de cette situation. Élevons notre roi au-dessus de cette situation. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons. Oh.
Braide de re catarra baba baba chendere da bros maide la da bradas gloria da bra Raide gloria da baba chere mara la sonda rababra. Disons que l'Éternel est au-dessus de tout, Yahweh, Yahweh. De toi, nous venons devant toi. Émerveillé Jésus. Émerveillé par l'éclat. Seigneur, c'est vrai. De ta beauté, Père. Oh, oh. Tous les anges se prosternent. Et chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat. Nous sommes émerveillés. De ta beauté, Père. Oh, oh. Tous les anges se prosternent. Au-dessus de tout, c'est toi.
da brodos kanda rababres. Shaide de glorianda brada soro mara la braide glorianda ba. Shaide de braida glorianda ba ma shende de bro. Raide glorianda ba ba shere bara la te. Personne est comme toi, personne est comme toi. N'est semblable à toi, mais au-dessus de toi. C'est toi le plus grand, que au-dessus de tout. Que au-dessus de tout, que au-dessus de tout. Que au-dessus de tout, que au-dessus de tout. Que au-dessus de tout, que au-dessus. Que au-dessus de tout, que au-dessus de tout. Que au-dessus de tout, que au-dessus de tout, Seigneur. I the count the red and the baba baba Ruka darianda brada slorianda brada ketere babra. La Bible dit que l'Esprit Saint intercède par des soupirs inexprimables. La Bible dit aussi que celui qui prie en langue dit des choses incompréhensibles à l'intelligence humaine. C'est pourquoi là où tu es, tu vas élever la voix vers le Seigneur en d'autres langues, afin de l'élever par des langues. Célébrons Jésus en langue, célébrons Jésus en langue, prophétisons dans les langues, déclarons dans les langues. La Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Le mot édifié signifie se construire. Le mot édifié veut dire se muscler de l'intérieur. Ça veut dire l'esprit prophétique, l'esprit de prophète qui est sur toi. Pendant que tu es en train de faire monter vers Papa Yahweh des paroles en langue, ton esprit se fortifie. L'esprit passe au-dessus de la chair. L'esprit passe au-dessus de ton âme. L'esprit passe au-dessus afin d'être sensible à la voix du Saint-Esprit, afin de nous connecter à la bonne fréquence. Baïde Kalabayama, prions l'ange la baba baba. Akantara me me mache taradabra. Lukanda la bayede. Arababababache. Brada slow,
Shema mama masunda raba bradas glorianda bra. Merci Saint-Esprit. Laide glorianda bradas sunda raba bra. Tu attireras nos cœurs, les hommes à toi. Nous venons vers toi aujourd'hui, nous venons vers toi, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous ne voulons pas laisser notre chair, nos âmes, nos émotions nous distraire. Nous ne voulons pas laisser le deuxième ciel nous distraire. Tu l'as vaincu. Tu as vaincu la mort, Jésus. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Tu es élevé, tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort. La mort est l'ennemi le plus fort que nous ayons connu. Destruction des biens, destruction de toutes choses, mort spirituelle. Tu es là, ma soeur, mon frère, en train d'entendre ce message, et ta vie spirituelle est sous un assoupissement spirituel. La mort spirituelle a commencé à te gagner. Mais ce Jésus qui est élevé, ce Jésus qui est ressuscité, t'a conduit à ce live et t'a conduit à ce moment pour parler à ton cœur, pour te ramener dans ta communion avec Dieu, dans ton intimité avec le Seigneur, pour ressusciter, car il est ressuscité. Ne dis pas que Dieu te rejette. Aujourd'hui même il te reçoit. Aujourd'hui même il vient vers toi. Aujourd'hui même il te parle. Là où tu es déboussolé, où ton âme est abattue, détruit par Amalek, Jésus est ressuscité. Mon Dieu. Rebayanda rababe chede bradas glorianda mama. Shaide rede mama 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 rababradas glorianda bro. Jump.
nous célébrons ton nom, nous glorifions ton nom, Jésus. Nous venons devant toi, Saint-Esprit, nous venons devant toi, nous venons dans ta présence, Seigneur Dieu. Nous venons dans ta présence, nous venons dans ta présence, Seigneur Dieu. Nous avons soif de toi, nous venons dans ta présence, assoiffé de toi, Jésus. Assoiffé de toi, Seigneur, nous voulons te toucher, nous voulons te voir. Nous venons dans ta présence, Seigneur Dieu. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi, Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Caché en Christ. Ce que je désire, c'est m'abriter en toi, rester caché en toi et faire l'impossible. Tu es le Dieu infini, illimité, mais caché en toi, tout m'est possible. Ce que je désire, c'est m'abriter en toi, rester caché en toi et faire l'impossible. Tu es le Dieu infini, illimité, et caché en toi, tout m'est possible. Seigneur mon Dieu, entends ma prière, ce que je désire, être comme toi, à parler comme toi, être comme toi, prier comme toi, oui, faire comme toi. Pardonner comme toi, être comme toi. Oh mon Dieu, je veux être comme toi, te ressembler, être à ton image. Je veux être comme toi, Seigneur, te ressembler. Être à ton image et voir ta gloire. Oh, être comme toi, Seigneur. Être comme toi, Jésus. Être comme toi, Seigneur. Ce monde a besoin de voir ta gloire, et tu m'as choisi pour être ton image. Et par moi, oh Dieu, je n'y arrive pas, mais caché en toi, tout m'est possible. Ce monde a besoin de voir ta gloire. Et tu m'as choisi pour être ton image. Par moi, oh Dieu, je n'y arrive pas, mais caché en toi, tout m'est possible. Seigneur mon Dieu, entends ma prière, ce que je désire. Être comme toi, agir comme toi, être comme toi,
parler comme toi, oui, faire comme toi, aimer comme toi, Jésus, oui, faire comme toi, mon Dieu. Oh, 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 oh. Ba-la-la-la-la, 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 ba-ra-pa-pa, ba-ra-pa-pa-pa-pa-pa, ba-ra-ra-pa-i-pa-i-pa, ba-ra-pa-pa, ta-ra-ta-ta-ta. Que ton règne vienne sur toute la terre, et que le monde te voit au travers de nous, Jésus. Que ton règne vienne, et que le monde voit ta gloire. Braille des chandarababos et ramamama yandarabros. Encore ce monde a besoin. Ce monde a besoin de voir ta gloire. Et tu m'as choisi pour être ton image. Par moi, oh Dieu, je n'y arrive pas. Mais caché en toi. Tout m'est possible, mais caché en toi. Tout m'est possible, mais caché en toi. Tout m'est possible. Seigneur, nous voulons être en toi, nous voulons demeurer en toi, nous voulons faire ta volonté, nous voulons être en toi, Seigneur Dieu, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton règne vienne et que ta volonté soit manifestée sur la terre. Que ton règne vienne, Jésus, que ton règne vienne, que la terre te connaisse, que le monde entier voit combien de fois tu es grand, tu es bon, tu es puissant. À cet instant, nous sommes dans cette prière, dans ta présence. Je veux prier pour mon frère, pour ma sœur qui est là connectée et déclarer des paroles de faveur, déclarer des paroles de grâce, déclarer des paroles de bénédiction dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Braille de chétere de brousse, prenda brada sarabara la kendere de braishit, roba baba chere bara la glorianda brada soro bara la glorianda brousse. Pray de brada sharabababababababa shondarababrousse, braille de glorianda brada chendere de brousse. Que les malades soient guéris dans le nom de Jésus. Toi qui es connecté avec moi, que le Seigneur t'apporte la guérison, le rétablissement, la santé divine dans le nom de Jésus. Brianda brada chere bara la konda rababos. Brianda brada chara bara la glorianda brada chere babaka. Saint-Esprit, manifeste ta grâce, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, brise les chaînes, délivre les captifs, délivre les captifs. Ouvre les portes, Seigneur Dieu, à tes serviteurs et à tes servantes qui me suivent maintenant. Que les portes qui étaient fermées soient brisées. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie l'ouverture des portes nouvelles, l'ouverture des portes. Je déclare une saison de grâce, une saison de faveur, une saison de portes ouvertes dans le nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit, pendant que je parle, vienne t'investir, vienne t'envahir. Là où tu es assis sur ton bureau, m'écoutant sur tes écrans, la puissance de Dieu vient t'envahir, vient te remplir. Tu es loin, inondé de sa grâce, de sa présence, de sa faveur. Il en est ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits au nom de Jésus. Et quelqu'un dit avec moi un bon Amen.